Bonjour les amis. Alors vous savez certainement bien sûr que le stress engendré par les examens et dans l'attente des résultats d'un scanner, d'une scintigraphie, c'est angoissant et ça peut relancer le cancer puisqu'on absorbe une quantité importante de sucre radioactif et on a des radiations. Il s'avère qu'en 2020, après une publication de NCI, qui est ici, je pense, voilà, National Cancer Institute du gouvernement américain, une étude est faite sur une nouvelle procédure. Cette procédure, c'est le TEP ou PET scan, PSMA. Enfin autorisé en 2021 aux États-Unis et en France. En France, hélas, il n'y aurait que deux centres actuellement qui le font. Alors, quel est l'avantage, bien sûr, de ce PET scan? Alors, c'est simplement que vous le savez peut-être, un examen normal va déceler le cancer de la prostate 6 mois, 1 an après son apparition ou sa récidive. Alors que cet examen va voir bien avant, à savoir jusqu'à 1 an avant, l'apparition de petites cellules cancéreuses. Et donc, évidemment, de ce fait, se soigner est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile pour faire disparaître ces petites cellules du cancer. Alors, en ce qui me concerne, bien évidemment, je ne vais pas faire ni scintigraphie, ni PET scan, mais je vais faire ce nouvel examen, sachant que c'est une protection, j'irais dire. Je ne pense plus avoir un cancer avec un PSA de 0,1 en ayant conservé ma prostate. Et avec l'alimentation, j'ai un peu charrié ce mois-ci des fêtes, des rendez-vous, des restaurants. Mais malgré tout, j'essaye de rester un minimum sérieux. Alors oui, les amis, PSA, PET, c'était en cas de cancer de la prostate. Je pense que c'est actuellement ce qu'on peut faire de mieux pour détecter à l'avance un cancer, dès qu'il y a le moindre signe de cancer de la prostate. Je vous souhaite une excellente journée et je vous mets les différents liens que je vous ai montrés, en particulier ce dernier lien où vous allez avoir une vidéo que vous pourrez regarder extrêmement qui explique tout. Beaucoup mieux que moi. Merci les amis, une excellente journée. Au revoir.